Qui va là? Nous mourrons les armes à la main, je dis. Joyeuse bonne idée. Salut, chef. Joli Thorax, j'étais en dehors de mes esprits avec inquiétude. Je suis follement heureux de te voir. Je suis terriblement heureux aussi, The Big Boss. Arrêtons là les effusions. À tout la magique potion. Oui, je vais en faire tout de suite. Merveilleux. Merveilleux, je vais rassembler mes hommes. Et tu vas en faire? Tu sais préparer la potion magique? Avec les orientales herbes? Je t'expliquerai plus tard. Obélix, va chercher de l'eau chaude. C'est ça. Moi, on ne m'explique rien, moi. Je suis bon à porter l'eau chaude, moi. Gna 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 gna, et puis rien du tout. Garde à vous! Les Bretons assiégés ont perdu à la fois leur arme secrète et leurs alliés gaulois. Tout péril est écarté. Et à vaincre sans péril, on évite les ennuis. Voilà! C'est prêt. Je dis, ça, c'est délicieux. Ah, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la remède d'attaque. Pourrais-je avoir un nuage de lait avec ma magique potion? Formez le triangle. À l'attaque! En main! Je vous signale que nous sommes là! Et que nous avons de la potion magique! Mais qui vous a dit de vous mettre en rond? En faisant de la potion magique, j'y vais pas. Moi, je les connais, ces Gaulois, ils sont fous. Le petit, là, il s'appelle Astérix. Je ne suis pas engagé pour te faire étriper. Ah non, moi, j'y vais plus. Tu mets le bon coin, et quand les haricots sont cuits à point, alors là, tu peux aussi rajouter du fromage et tu sers chaud. Le petit, c'est pas fini, non? À l'attaque! Mais oui, à l'attaque! Obéissez à votre chef! À l'attaque! Vous ne voulez pas venir? Alors on y va! Oh mais Félix, tu n'es pas chez toi ici! Justement! Les touristes d'abord! Ils font une sortie! Ils vont nous rentrer dedans! Pas les dents, pas les dents! Coulter! Rendez-moi ça! Un peu de tenue! Oh. Engagez-vous, qu'il disait. Rengagez-vous. Vous êtes la honte de l'armée romaine. Merci, Astérix. Nous avons vaincu les Romains grâce à vous et à la Magic Potion. Oh, vous savez, ce n'était pas vraiment de la potion magique. Je m'en doutais, mais mes hommes ont cru qu'ils étaient les plus forts. Et c'est ça, le courage. Envoyez-moi encore de ces herbes. J'en ferai la boisson nationale. Je dis, Astérix, en votre honneur, nous allons faire un grand festin. Oui, avec de la sauce à la menthe, de la cervoise tiède. Ah! Allez, on rentre! Excusez-nous de ne pas rester à votre banquet, mais il a faim. À charge, revanche, les amis. Obélix, j'arrive! C'est ce que l'on appelle filer à la gauloise, hein?